Bonjour à tous, c'est la grande forme. Alors je ne pensais pas vous donner l'arrivée affichée parce que j'étais déçu par mon Horace du Goutier qui était pas bien. Ça s'est vu dans la dernière ligne droite où il trottait de travers. Bon, je vous donne quand même le tiercé dans l'ordre. Je vais tiercé dans l'ordre et le quarté et j'enchaîne actuellement les tiercés. Bon, ça va être beaucoup plus dur ce jeudi sur la crème des hippodromes, Chantilly, bien sûr. Je vous propose sur la pointe des sabots de jouer un cheval que l'on connaît déjà bien à ce niveau, c'est le 12 I Am a Believer. Je crois en lui. Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier est en selle. Eh bien, je crois qu'il peut enfin gagner son quintet qu'il cherche depuis pas mal de temps. Et puis, Delzangle en met deux, donc je me couvre, je mets les deux. Le 6 Ridpour qui porte les couleurs de l'Agacan attire mon attention, mais le 2 Bubble Signe est un véritable métronome. Toujours dans les trois, il reste sur une gagne. Apparemment, Delzang nous présente deux très bons poulains au départ. Il va faire mal avec ces deux snipers. Et puis ma petite trouvaille qui est à 30 contre 1, parce qu'il va y avoir des surprises, ne croyez pas que ça va être les favoris qui vont composer les 5 premières places. Donc j'ai trouvé le 5 American Hope, cheval que j'estime, un joli petit grisou qui a tiré le 6 à la corde, qui est bien connu en Allemagne, et les Allemands vont venir dans notre arc de triomphe, et ben pour chauffer un peu les Allemands, ils vont peut-être faire quelque chose de bien avec ce numéro 5 American Hope, qui reste sur une gagne dans un plus petit lot, mais qui a été jugé digne de courir à un niveau supérieur. Je pense que s'il y a une surprise, elle viendra de ma petite trouvaille. Et puis, j'aime bien Girafe, le numéro 8, qui est régulière. Elle monte du midi, c'est Cottier qui monte du midi avec Barcelona. Eh bien, Girafe, j'y crois. Son long cou va faire la différence. Il y a photo à l'arrivée. Et puis, le 13, Melbora, on la connaît bien. À ce niveau, son expérience peut faire la différence. Et puis le 15 Nicolage m'a bien plu dans un récent quintet, référence où il a été monté à l'envers. Son entourage avait dit on attend et on finit. Et la cavalière est partie comme une folle et se fait choper la cinquième place sur le poteau. Donc changement de monte. Et cette fois, s'il attend, il va finir. Ce 15 Nicolage peut entrer dans le quintet. Et puis, j'ai longuement hésité. Hein. Je n'ai pas pu mettre le cheval de Madame Colombo qui est en super forme, Mister Cassiopée, le 7, parce que je me suis dit, il y a deux Barbereau. Et puis, j'ai pas mal de copains stéphanois. Et je me suis dit, oh là 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 là, si Saint-Étienne, le 3, est à l'arrivée, ils vont tous bien rigoler du côté de la plaine du Forêt. Et ils vont me mettre dans le chaudron. Donc je n'ai pas envie d'être plongé dans le chaudron parce que j'aurais pas mis Saint-Étienne. Donc moi, le gun, le lyonnais, je suis obligé de mettre le 3 Saint-Étienne. Et je voulais vous dire que moi, j'ai connu la grande époque des Verts. Et les meilleurs, c'est les Verts. Et ils sont les meilleurs supporters. J'essaie de me souvenir de cette chanson que vous avez d'ores et déjà dans la tête. Saint-Étienne me plaît, c'est Christophe Soumillon. Et je pense qu'il peut effacer sa récente bulle à ce niveau. Il vaut certainement mieux. Et c'était l'époque, vous vous en souvenez, de Platini, de Rocheteau, voilà, de la très très belle époque des Verts où les commerçants peignaient les trottoirs en vert. Il y avait une ferveur. Moi qui suis lyonnais, j'ai jamais vu à Lyon la même ferveur qu'à Saint-Étienne où vraiment les Verts à cette époque-là, c'était les stars, les stars, les stars, les stars. Alors que nous, à Lyon, des fois, on voit passer le bus de l'Olympique lyonnais et ça ne crée pas plus d'ambiance que cela dans la rue. Voilà, je referme cette parenthèse. Bien, allez, allez, allez les gones, allez l'OL quand même. Mais là, je suis pour les Verts, allez les Verts. Je termine cette sélection par deux petits chevaux mystères pour trouver l'énigme du jour de Jean-Marc. Le premier, si vous le trouvez, il va vous faire hippon. Attention au bleu, hein, ça va faire mal si vous le trouvez. Et puis le deuxième, alors je viens de le faire, il faut bien les astiquer parce qu'on va peut-être changer de voiture, donc j'ai bien astiqué pour que ça soit bien étincelant et tout, donc on les astique quand vous avez une voiture pour que ça brille, pour que ça brille. Et bien si vous trouvez le nom que j'essaie de vous faire deviner, et bien vous allez trouver mon deuxième cheval mystère. Allez,
On frotte et il faut que ça brille.